Bonjour, bienvenue sur ce premier cours sur la plateforme Moodle. Cette vidéo s'adresse en principe surtout à ceux qui sont là à distance pour la première fois et qui vont essayer de comprendre comment fonctionne Moodle à travers cette page chez eux sur leur PC. Donc je vais donner juste quelques indications rapides pour que vous puissiez utiliser ce premier cours à distance. D'abord, la première partie s'appelle « Démarrage de formation » et c'est juste une présentation de la formation avec, comme vous le voyez, des horaires supposés. Ensuite, pour que nous puissions mieux nous connaître, dans la première section, la première partie du cours, je vous demande de vous présenter. Si vous êtes à distance, merci de renseigner le questionnaire qui se trouve en bas de cette première section. Et puis, si vous continuez votre découverte, eh bien, vous verrez que il y a des explications qui présentent un petit peu la page d'accueil de Moodle et qui donnent des informations sur les différents blocs qu'on trouve dans la page, à droite sur la colonne de droite, à gauche sur la colonne de gauche ou dans la colonne centrale qui généralement comporte le contenu principal. Sous chacune des sections, ou en tout cas sous la plupart des sections, vous trouverez, comme ici un questionnaire, vous trouverez un petit intitulé sur lequel on peut cliquer qui vous donne accès, soit une ressource, par exemple un fichier que vous pouvez lire en plus des informations que vous avez déjà reçues, soit un questionnaire, un test, un petit travail à faire. Ça s'appelle dans Moodle une activité. Donc essayez, testez, essayez de répondre. Si c'est une ressource, ben, consultez-la. Si vous en trouvez d'autres parce que vous êtes curieux et que vous allez sur Google pour avoir des informations sur Moodle, très bien. Vous pourrez même signaler, quand nous nous retrouverons, que vous avez trouvé telle ou telle ressource intéressante. Je vous souhaite une excellente découverte et rendez-vous bientôt.